20 juillet 2020. Je m'étais bien juré de faire de moins en moins de vidéos et pourtant, le contexte m'impose de revenir vers vous. La vidéo s'intitule « Béarnais, français, empoisonné jusqu'à la gueule ». Faut-il que nous soyons à l'article de la mort pour réagir ? Citoyens, par faveur, épaulons-nous. Maire, citoyens conscients de nos responsabilités, nous nous devons de réagir pour défendre et nos administrés, notre peuple, nos enfants, la survie de notre pays. Il est temps de nous confédérer pour unis, c'est-à-dire les élus et les électeurs, mettre fin à toutes sortes d'horribles et multiples empoisonnements qui laisseront la France dans un tel état que nous passerons de vie à trépas très jeune dans les années qui suivent. Je vous fous mon billet de 80 ans. Le laboratoire indépendant du docteur en chimie organique Bernard Thaïez, T-A-I-2-L-I-E-Z, laboratoire Analytica, A-N-A-L-Y-T-I-C-A. Retenez bien, Analytica, à Cuers, dans le Var, démontre irréfutablement, grâce à des outils spécifiques d'investigation, la chromatographie et la spectrométrie, les pollutions diversifiées et mortifères sur l'ensemble du territoire français et pas que dans le Béarn. Notre air, nos sols, nos plantes, nos arbres, et j'en ai des exemples, dont le vivant, sont pollués par les industriels et les chemtrails. Et pour l'instant, nous ne parlons pas de 5G, ni de vaccin. Nous respirons, buvons, mangeons et nous soignons chimiques. Plus de défense immunitaire. Et sommes presque tous atteints dès 50 ans de maladies de dégénérescence. Le docteur Klingar le prévoyait dès 2002. Sur Analytica, A-N-A-L-Y-T-I-K-A, rubrique nos investigations, vous trouverez fleuve Adour, eau polluée, commune d'Urcuit et d'Anglais. Mais pas que, parce que s'ils ont fait des relevés là et que l'eau était polluée, vous pensez bien qu'en amont, c'est kiff-kiff. Mais aussi, les filaments aéroportés, les chemtrails, nouvelle forme de pollution, et les deux vidéos dans lesquelles on retrouve Jacques Dédier du 05. Ces deux vidéos s'y rapportent. Rien ne peut être nié. En voici une. D'ailleurs, je mettrai les liens sur ma vidéo. La première, https://vimeo.com/ et tout attaché 169 863 380. L'autre, je vous en fais grâce, vous la trouverez sur la vidéo. Passons en revue les diverses rubriques d'Analytica. Actualité. Communiqué revue de presse pour nous rendre compte que la situation est grave, critique, voire désespérante. Et pourtant, Dieu sait si j'en ai vu. Si nous restons les deux pieds dans le même sabot. Nos associations Écogénos, Artemisia Collège, Académie de défense des êtres humains, vous demandent de prendre contact avec nous dans les plus brefs délais pour que nous puissions réagir. Vous entendez bien, messieurs les maires, vous entendez bien, messieurs les adjoints. Ne vous plaignez pas par la suite, si vous ne réagissez pas. Pour éviter un drame,
national. Notre responsable est joignable au 04 92 67 05 48. Nous vous remercions pour une rapide collaboration salutaire. À bon entendeur, salut, Jacques-Henri Dodon. Il faut quand même noter que le code pénal prévoit un nombre important de dispositions applicables au maire et à la commune, mettant à la charge de ces personnes des fautes intentionnelles ou d'imprudence et de négligence. Voilà, j'ai en quelques minutes fait le tour du problème. J'espère que vous allez remédier à cet état de fait, à ce contexte mortifère. Merci.